Tesla 3. Alors vous connaissez peut-être déjà le haillon électrique du modèle S ou du modèle X et vous êtes comme moi un peu déçu que la modèle 3 ne propose pas l'ouverture automatique du coffre. Alors après ça, vous avez essayé ça, mais même avec ça, c'est pas vraiment ça. Car si ça facilite effectivement l'ouverture, la fermeture. Ma femme me dit souvent, c'est quand même compliqué de refermer. Alors, il ne reste plus qu'une solution. Installer des vérins électriques. Avec cet add-on, vous allez même pouvoir faire mieux que les Tesla S et X de série. Car vous aurez des vérins électriques à l'arrière et à l'avant. Psst, les vérins du coffre avant existent aussi chez Ramshow pour les modèles S et les modèles X. Pour l'installation des vérins du trunk, comprenez le coffre arrière, comptez entre 1h30 et 3h en fonction de votre expérience en bricolage. L'ouverture et la fermeture du trunk peut s'effectuer de multiples façons. Ici par le bouton de coffre. Via l'écran de l'habitacle par le biais du bouton de l'application Tesla ainsi que par le Foot Sensor. Le Foot Sensor est une option que j'ai hésité à prendre au départ, mais que je vous recommande vivement. On a souvent les bras chargés et c'est un réel confort de l'avoir. Pour le Frunk, vous devriez pouvoir terminer le montage des vérins en moins d'1h30. Cette automatisation est une véritable valeur ajoutée à votre véhicule. Là encore, l'ouverture se fait de multiples façons. Par l'application, on peut aussi s'amuser à coller un tag NFC sous le capot. Par l'écran de l'habitacle, ici, le seul petit bémol est contrairement au trunk, il ne sera pas possible de refermer le frunk. On peut l'ouvrir, mais pas le refermer. Il faudra alors utiliser l'application Tesla. Ah oui, comme dit un de mes potes, one more thing. On peut aussi utiliser Siri pour les deux coffres. Démonstration. Coffre avant. Un petit instant. J'ai actionné le frunk de fantôme. Voilà qui est fait. Coffre avant. Voyons voir. J'ai actionné le frunk de fantôme. Très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Sachez aussi que je me motive à en faire d'autres quand je vois les partages augmenter chaque jour. Alors,
Si la modification des vérins vous intéresse, sachez que c'est à la portée d'un bricoleur du dimanche, pour peu que vous suiviez attentivement les tutos vidéo. Les liens sont dans la description. Vous trouverez également un lien pour acheter les excellents vérins Honcho, et grâce à ce code promo, vous économiserez 10%. Merci encore de me suivre. À la prochaine. Ciao, ciao.